Alors, pour ce qui est de la sûreté et sécurité des transports, je constitue aussi de mon panel Monsieur Mouilah Lakhdar, le PDG de l'entreprise portuaire de Arzeux, je vous en prie. Représentant de la douane de la DGD, sous-directeur régional, Monsieur Kamel Jeddi. Le président directeur général de la CAT, Monsieur Youssef Benmissia. Et le directeur des infrastructures à l'Algérienne des autoroutes, M. Bendaoud. Veuillez prendre place, messieurs. Très bien. Alors, avant de commencer le débat, il y a une vidéo qu'on souhaiterait vous diffuser. C'est une vidéo de l'ADA et c'est une vidéo qui va représenter un peu les accidents et les incidents dans le tunnel autoroutier de Bouzexa. On va découvrir ça ensemble et juste après, nous allons commenter et en débattre. Magnéto.
Voilà. Merci. Même les acteurs ont des gilets jaunes, comme par hasard. Vous les avez choisis. Alors, je vais tout d'abord, M. Bendaoud, vous demander un peu de nous commenter l'objectif de réaliser ce genre de documentaire et faire réagir le panel par la suite. Oui, oui. Donc, notre établissement est chargé de l'exploitation de l'autoroute Est-Ouest, et notamment dans les tunnels. Comme vous savez, les tunnels avant l'accident du Mont Blanc et l'accident ferroviaire en Suisse et en Autriche, c'était des ouvrages qui présentaient pas de risques. Mais après la directive européenne en 2004, les autoroutes, les tunnels sur les autoroutes sont réalisés, surtout sur l'autoroute Est-Ouest, ils sont réalisés selon les standards internationaux et les normes requises, avec l'installation des équipements dédiés à la surveillance du tunnel. C'est des tunnels qui sont gérés 24 heures sur 24 avec un système de gestion technique centralisé, donc pour intervenir en cas d'accident, d'incident dans le tunnel. Et aujourd'hui, on a vu certaines séquences d'incidents dans un tunnel. Donc il y a des comportements à ne pas faire dans un tunnel. Il ne faut jamais s'arrêter dans un tunnel. Donc il y a beaucoup d'accidents. On a enregistré beaucoup d'accidents dans ces deux tunnels. Mais et je dirais, à part les tunnels, même sur l'autoroute, l'autoroute est généralement 5 fois plus sûre qu'un réseau local. D'accord. Merci. Alors, beaucoup. Je fais réagir les autres membres du panel. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, ces aspects sûreté et sécurité ont leur importance lorsqu'on parle de logistique et de transport de manière générale? Quelle est leur place concrètement dans notre débat du jour? Merci. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire qu'il y a la sûreté et la sécurité. Donc, si on prend la sûreté sur le domaine logistique, et bien sûr, il y a aussi la sécurité. Donc, la sûreté désigne pratiquement des mesures de protection. Donc, c'est pratiquement à titre préventif du personnel et des biens. Et la sécurité, c'est automatiquement, elle est relative à un dysfonctionnement technique. Bien sûr, quand on dit un dysfonctionnement technique, ça veut dire que sans cause anthropique volontaire. Donc là, on doit mettre tout d'abord, si on commente cette vidéo, on ne peut que les féliciter. Toutes les mesures de sûreté étaient mises en place, à savoir le système d'alarme et le système d'alerte. Il y a eu en premier lieu le système d'alarme et en deuxième lieu le système d'alerte pour éviter que les autres véhicules pénètrent dans le tunnel. Voilà. Très bien. Représentant des douanes. Merci. Donc je dois commenter. C'est ça, ou bien on entame notre sujet? C'est ça. Bien sûr. Bon, pour le Luisme, je dis tout simplement, je dois être très court, être prudent et respecter le code de la route, notamment les feux de signal. Il y a un souci avec le micro, je pense, hein, on n'entend pas. Vous pouvez le rapprocher, s'il vous plaît? Je répète, c'est ça. Voilà. Donc, être prudent et respecter le code de la route, notamment les signalisations, les plaques de signalisation. Et je félicite à l'occasion les agents de la protection. On n'entend rien. Comme ça, ça va? Voilà, c'est mieux. Donc, être prudent et respecter le code de la route. D'accord, ça c'est pour le commentaire de la vidéo. Pour le commentaire. Maintenant, pour la place de la sûreté et de la sécurité. Maintenant, pour le rôle de l'administration des douanes, je tiens à signaler, complice du rôle économique et fiscale de l'administration des douanes. L'administration des douanes a un rôle qui joue dans le cadre de la sécurité et la sécurisation. Et pour commencer, pour qu'il y ait lieu de définir tout d'abord les concepts, donc la sûreté, et on essaie de faire l'application en quelque sorte, qu'est-ce qu'elle fait la douane par rapport à ces concepts. Parce que cette mission
qui est traduite du concept, ou bien si vous voulez, elle est traduite par le code de l'administration des douanes dans son article 4. Donc tout d'abord, la sûreté s'explique, peut-être s'expliquer par la lutte contre les menaces terroristes, attaques chimiques, bactériologiques et nucléaires. Donc l'administration des douanes, à l'entrée de toute marchandise ou tout engin ou tout moyen roulant, elle contrôle la marchandise et elle contrôle même le moyen de transport pour éviter ce genre de trick entre en Algérie. Je signale ici, par exemple, dans le cadre de la collaboration de l'administration de douane et l'agence nucléaire, le Comina, il y a un accord qui a été signé dans ce sens. Je parle ici sous contrôle de monsieur le directeur central ici présent. Donc pour contrecarrer toute introduction de substances qui peut nuire à un autre citoyen. Sur le problème de la sécurisation, s'explique par la protection de la santé et des biens être des citoyens et de l'environnement, notamment la contrefaçon, les stupéfiants et la réglementation sanitaire et phytosanitaire. Vous savez, lorsqu'il y a un produit, par exemple, agricole ou un produit qui peut toucher à la santé, ce produit est soumis à une formalité administrative particulière émanante du département ministériel concerné. L'administration de douane a la charge et elle veille que ce document existe et que ce produit suit le cheminement ordinaire, comment dirais-je, de son circuit. Donc tout ça rentre dans le cadre, comme je viens de le dire, des missions de l'administration de douane, stipulées dans l'article 4, qui, outre la loi tarifaire, elle est chargée d'appliquer les textes législatifs et réglementaires émanant d'autres ministères, notamment le ministère de la Défense nationale. Aussi, je signale qu'au niveau du territoire national, l'administration des douanes, dans le cadre de contrôle de sécurité et ainsi de suite, dresse des barrages selon les compétences des autres corps de sécurité, des barrages avec la gendarmerie, avec l'armée nationale, des barrages avec la police. Tout ça, c'est pour le bien de la sûreté et la sécurisation du bien-être de l'Algérien. D'accord. Merci. Alors, M. Benmissia, d'abord un commentaire, puis on va parler des assurances, forcément. Merci, M. Lahli. Tout d'abord, je suis content de participer à cette édition du CITEM et d'intervenir dans cette table ronde dédiée à la sécurisation du transport. Si je dois commenter le film qu'on vient de voir et qui est malheureusement lié au fléau des accidents de la circulation qui endeuillent au quotidien les familles algériennes, je dois rappeler qu'en moyenne il y a 10 décès par jour et l'année c'est presque 4000 morts donc dus aux accidents de la circulation. Il est vrai que la réalisation d'infrastructures routières, d'ouvrages d'art, permet justement de réduire d'une façon importante les accidents de la circulation, et ça rentre effectivement dans la sécurisation des ouvrages. Maintenant, en ce qui concerne le rôle que joue l'assurance en matière de sécurisation, je dirais que c'est un moyen. L'assurance est un moyen de protection et de sécurisation des biens et des activités économiques et commerciales. Et l'assurance a toujours accompagné ces activités par la mise en place de couvertures d'assurance adaptées au risque. D'abord, en matière de sécurité, l'assurance est connue comme étant un facteur de sécurité, en premier lieu. Pourquoi ? Parce que l'opérateur ou l'entreprise ou l'agent économique, en fait, transfère son risque sur un assureur. Donc c'est l'assureur qui prend en charge ce risque et l'opérateur économique donc peut investir, entreprendre en toute sécurité. Ça, c'est le premier facteur de sécurité que constitue l'assurance. En deuxième lieu, l'assurance participe aussi
à la promotion de la prévention, puisqu'on est, on parle justement de prévention. Comment ? D'abord, quand une entreprise ou un entrepreneur met en place des mécanismes et des moyens de prévention et de sécurité, il gagne une économie sur le coût de l'assurance, qui peut être parfois très très importante. Donc c'est de cette manière-là que l'assureur encourage donc les entreprises donc à mettre en place donc des moyens de protection et de prévention. Et parfois, et ça existe aussi, les assureurs vont jusqu'à exclure, refusent de couvrir, d'assurer des risques qui ne sont pas dotés de moyens de prévention et de protection. Donc c'est dire donc ce rôle que joue donc l'assurance dans la promotion de la prévention et de la protection. En troisième lieu, bien entendu, l'assurance indemnise les dommages qui sont subis donc par les entreprises, par les agents économiques. Donc par le biais donc de l'indemnisation, elle protège disons financièrement donc les entreprises. Et enfin, en dernier lieu, l'assurance peut aussi être considérée comme une sûreté sur le plan financier, lorsque les bailleurs de fonds, pour financer tel ou tel projet, exigent des garanties. Et parmi ces garanties, donc, il y a aussi donc, la mise en place de couverture d'assurance, sinon le banquier ou l'institution financière ne va pas financer les différents projets. Voilà ce que je pourrais dire, M. Lahri, dans le moment. Et nous allons bien sûr revenir sur cet aspect des assurances qui est très important dans notre thématique. Le débat est ouvert, s'il y a des questions. Y a-t-il des interventions dans l'assistance ? Non ? Alors, question directe, puisqu'on parle des coûts logistiques. Alors, est-ce que les assurances font partie de ces coûts logistiques ou pas ? Puisque vous aviez le micro, continuez à répondre. Oui, bien sûr, à travers les assurances et à travers, bien sûr, les investissements concernant la sécurisation et la sûreté, on peut minimiser le coût d'assurance. Et si on minimise le coût d'assurance, on minimise le coût de logistique. Comment minimiser le coût d'assurance en présence de mon collègue? Donc là, quand même, les entreprises doivent investir. C'est parfois un dilemme, hein. C'est pas évident de... Si, si. Donc, si on doit investir, par exemple, la sécurisation des ports. La sécurisation des ports commence d'abord par la délimitation de l'espace portuaire. On doit délimiter le périmètre. À la suite de ça, on doit procéder à la construction de clôtures, procéder à l'éclairage, procéder à la construction des guérites, engager des personnes pour la surveillance, mettre en place la télésurveillance. Et tout ça, on doit les déclarer à l'organisme assureur. Et à la suite de ça, automatiquement, ils doivent revoir le coût de l'assurance. Et à partir de là, on peut sécuriser tous les espaces portuaires, que ce soit, bien sûr, je viens de parler uniquement de la partie terrestre, il y a aussi la partie maritime dans les ports. La partie maritime doit être sécurisée. Sécurisée comment ? Donc tous les navires qui accostent doivent être sécurisés par des moyens flottants tels que les remorqueurs, faire accoster, c'est-à-dire des navires dans les meilleures conditions, et en même temps, il y a quand même des remorqueurs qui sont dotés d'équipements de lutte contre l'incendie, et là, pratiquement, on doit investir dans ces moyens-là. Et je pense qu'à travers l'investissement, avec nos amis des assurances, on peut minimiser le coût d'assurance et par la suite minimiser le coût de logistique. D'accord, M. Benmissia. Oui, je rajouterai par rapport aux incitations à la mise en place de moyens de prévention et de protection. Nous sommes en train de parler de logistique et de transport. Je citerai à titre d'exemple les entrepôts, par exemple, ou les magasins de stockage de marchandises, ou bien les plateformes logistiques qui disposent de moyens de protection et de prévention, tels que un système de détection
de fumée ou d'incendie, ou bien un système d'extinction automatique d'incendie. Et j'ai toujours cité cet exemple, le cas des sprinklers par exemple. Si un entrepôt ou un magasin dispose donc de sprinklers, le coût de l'assurance est réduit jusqu'à 80%. Ça donne une idée sur donc, cette incitation à la mise en place donc de moyens de prévention et de protection. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que énormément d'entreprises, pour ces histoires d'entreposage, ont des stocks de marchandises qui peuvent atteindre parfois des sommes faramineuses, les incite de plus en plus à aller vers des assurances dans ce sens? Oui, certainement, c'est ce que je dis. Maintenant, par rapport à la sécurité, la sécurisation des marchandises, je pense maintenant actuellement, il faut y aller vers un plan de gestion, des procédures à mettre en place. À titre d'exemple, sur les autoroutes, pour le tunnel, comment on a pu intervenir? C'est avec une procédure de gestion des tunnels. S'il y a un problème, c'est comment on doit gérer l'incendie ou l'incident dans un tunnel. Donc c'est toute une procédure avec les différents intervenants. C'est les autorités publiques, le Wally, les services de la gendarmerie, les services de la protection civile. Donc il y a une procédure qui relie tous les intervenants pour faire face à n'importe quelle situation. D'accord. Donc c'est comme un plan hors sec. C'est comme un plan hors sec où chacun doit intervenir dans son domaine. D'accord. Monsieur Mouila. Moi, je dirais que c'est une obligation. Toute marchandise, que ce soit à l'import ou à l'export qui transite à travers les ports algériens, doit être soumise à une assurance. Très bien. Si vous me permettez, je voudrais juste, parce qu'on a parlé ce matin un peu d'histoire quand on a évoqué la route de la soie, même en ce qui concerne l'assurance, le premier contrat d'assurance qui a été souscrit en 1347 et qui existe, et c'est le seul document qui est encore dans un musée. Il est dû en fait grâce au transport maritime. Donc c'est le transport maritime qui a donné naissance au premier contrat d'assurance par le biais de, je suis sûr que certains opérateurs ici présents connaissent donc le prêt à la grosse aventure, donc qui permettait à l'époque aux commerçants, disons, de bénéficier d'un financement par des banquiers et d'autres commerçants pour la protection de leurs navires et de leurs cargaisons. C'est comme ça qu'est née donc disons l'assurance, et le premier contrat donc d'assurance date de 1347, et c'était pour protéger donc le navire et les cargaisons donc qui étaient donc sur ce navire. Voilà, je voulais rajouter par rapport disons à la sécurisation du transport. D'accord. Des interventions dans le public, oui. Veuillez vous mettre debout, comme ça on vous verra. Voilà, merci. C'est toujours Francis Adrien, journaliste à Crésus. Donc je profite de la présence du TG de la CAT. Je voulais poser une question par rapport aux accidents et aux dommages causés par les accidents. Est-ce qu'il peut nous donner un volume financier du coût des dommages et des accidents liés au transport des marchandises? Merci. Merci. Bon. Vous avez les chiffres en tête ou pas? Je vais essayer de donner quelques chiffres d'abord sur les assurances d'une façon générale et sur les accidents et aussi ce que payent les sociétés d'assurance. En 2017, globalement, toutes les compagnies d'assurance confondues ont indemnisé près de 71 milliards de dinars. 71 milliards de dinars d'indemnisation. Sur ce montant, la CAT a indemnisé au moins 20%. Donc ça, c'est la compagnie que je dirige. Sur ces 71 milliards de dinars, plus de 60% ont été au profit des accidents de la circulation. Plus de 45 milliards de dinars d'indemnisation, donc c'est pour
les accidents, le fléau que j'ai cité tout à l'heure. L'assurance transport représente à peu près 2% globalement du volume d'affaires, donc disons du secteur des assurances en 2017. C'est à peu près, je n'ai pas le chiffre exact en tête, à peu près 5 ou 6 milliards de dinars, donc de volume d'affaires. Mais grosso modo, pour ce qui est de du transport et de la logistique, les assurances ont tendance à augmenter ces 2-3 dernières années ou plutôt à baisser? Oui, c'est une bonne question. Vous savez que le marché algérien, c'est un marché qui est ouvert. Le marché des assurances, il est ouvert. Il y a une compétition. On a une tendance à la baisse des prix. La branche transport a accusé une diminution. Une diminution qui s'explique par plusieurs facteurs. En premier lieu, il y a eu une baisse des importations. Le volume des importations a baissé. Vous savez que l'assurance maritime couvre presque essentiellement les marchandises qui sont transportées, qui sont importées, mais également les marchandises qui sont exportées. Quand il y a une baisse du volume des importations, ça se ressent automatiquement sur le transport qui a accusé ces trois dernières années une baisse. Deuxième facteur, c'est la compétition qu'il y a entre les différentes sociétés d'assurance, du fait de la baisse des tarifs. Et un troisième facteur, il est lié à une disposition réglementaire qui a peut-être été mal interprétée, et je m'explique. Nos amis de la douane sont là. Dans les années 90, pour pouvoir importer un véhicule ou une marchandise ou des produits, il fallait justifier que cette marchandise a été assurée. Il y avait une obligation d'assurance pour les marchandises qui étaient importées. La loi sur les assurances, l'ordonnance 95-07 de 1995, a supprimé cette obligation d'assurance. Mais cette suppression de l'obligation d'assurance ne signifie pas que les opérateurs économiques, les importateurs ou les entreprises ne se soucient pas de l'assurance et ne doivent pas couvrir ces marchandises qui coûtent énormément. La loi dispose que tout importateur qui veut assurer sa marchandise doit le faire en Algérie. Je répète, tout importateur qui veut. Il n'y a plus cette notion d'obligation. Cette obligation a été levée et on a constaté, toutes les compagnies d'assurance ont constaté qu'il y a des importateurs qui laissent le coût de l'assurance à la charge de l'exportateur. Et ceci est en contradiction avec la disposition de la loi algérienne. Voilà ce que je voulais attirer aussi l'attention. C'est les Incoterm, c'est le mode CIF qui est interdit. Toléré, c'est le mode coût et fret, et non pas le coût insurance et fret. Voilà, M. Lari. D'accord. Une dernière question éventuellement. Oui, allez, les deux dernières, parce qu'il reste 5 minutes. S'il vous plaît. Merci. C'est M. Belika Djamel. Je suis directeur de l'information et de la communication à la Direction générale des douanes. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour leur invitation au nom du directeur général des douanes et aussi au nom de mes collègues. On est présents pratiquement à chaque édition et ça nous honore et ça nous fait plaisir. Je voulais ajouter une précision par rapport à l'intervention de mon collègue. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Je voulais ajouter une précision par rapport à l'intervention de mon collègue au sujet de la contrefaçon. C'est-à-dire parler du lien étroit qui existe entre la contrefaçon et la sécurité routière. En effet, si on parle de la réalité, c'est-à-dire lorsqu'on va chez un vendeur de pièces détachées, il vous présente 3 à 4 produits. Si on demande des plaquettes de frein, par exemple, ils vont vous dire d'origine, etc., deuxième choix, troisième choix. On voit que le prix, ils sont vraiment différents. Nous, au niveau de l'administration des douanes, on fait un gros travail à ce niveau-là. Mais on ne le fait pas dans le domaine de la pièce détachée automobile, puisqu'il faudrait que ce soit les propriétaires de marques qui viennent vers nous et qui nous interpellent
pour justement défendre leurs produits d'origine. Donc on le fait pour des produits pharmaceutiques, pour des produits des grandes marques sportives par exemple, ou d'autres modèles déposés qui sont déposés au niveau de l'INAPI. Et là, où c'est directement lié à la santé publique. Tout à fait, voilà. Oui. Mais là, on est demandeur. Justement, on voudrait bien que nos agents des douanes soient en mesure, au moment du contrôle, de savoir est-ce que cette pièce détachée, elle est contrefaite ou elle est, c'est une pièce détachée d'origine. Je crois que c'est ce qui va permettre de donner plus de sécurité aux automobilistes et aussi ça va permettre de réduire les accidents automobiles. Qui sait, peut-être que c'est l'une des raisons. Je suis sûr que c'en est une. Et il y a un décret exécutif qui est en vigueur donc, depuis l'année 2010. Donc, on a reçu pas mal de demandes dans le domaine justement de différentes marques qui demandent à la douane donc, de protéger leurs produits des contrefaçons. Et là, je le dis encore, on est demandeur. Donc, s'il y a des gens dans la salle ou des gens qui m'écoutent, on est demandeur. Venez vers nous pour nous donner donc, des caractéristiques techniques qui permettent aux douaniers donc, demain, d'interdire l'entrée de ces produits. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour ce commentaire. Vous avez une question ? Oui. S'il vous plaît. Merci, Yahya Nazef. Alors, j'interviendrai sur deux points. Alors, d'abord, si vous voulez, dans le domaine des assurances, il y a généralement l'assurance et il y a ce qu'on appelle la réassurance. Aujourd'hui, il se trouve que les compagnies d'assurance n'ont pas toujours la surface financière suffisante pour pouvoir assurer, par exemple, les grandes flottes, du type flotte maritime ou flotte aérienne. Alors, aujourd'hui, cette réassurance, c'est-à-dire donc la compagnie d'assurance se place vis-à-vis des organismes de réassurance comme un assuré banal. Ce qui signifie que donc on souscrit, donc les compagnies souscrivent auprès des compagnies d'assurance généralement basées à la City à Londres, une réassurance qui a nécessairement évidemment un coût et qui évidemment directement calculé sur le risque. Ça, c'est un calcul auquel les assureurs sont tout à fait familiers. Alors, ma première question donc, est de savoir quel est le poids de la réassurance dans les primes d'assurance, si je puis dire, parce que c'est quelque chose qui est de nature là aussi, à influer sur le coût final de la marchandise. Deuxième point, c'est un cas assez douloureux que je vais évoquer, c'est le problème des indemnisations des personnes. J'ai eu à connaître de par mes fonctions un gros dossier, c'est le problème du crash de l'avion d'Air Algérie à Tamanrasset. On a été confronté à un cas réellement de jurisprudence, puisqu'il s'est trouvé que 108 personnes étaient décédées, on a eu 6 étrangers, particulièrement des Français. Quand il s'est agi, parce que c'était un cas tout à fait nouveau, et on souhaite vraiment qu'il n'y en ait plus, on a été confronté, donc la compagnie d'assurance qui était à l'époque la SAA pour ne pas la nommer, était confrontée donc au problème du niveau d'indemnisation. Alors, malheureusement, quand on a eu à faire le point avec les responsables des assurances, on ne savait pas trop combien il fallait les indemniser. Donc, je vais vous donner tout de suite les rapports et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui on souhaiterait donc avoir un peu la philosophie en la matière. Il avait été proposé des niveaux entre 600 000 et 1 million et demi, 600 000 dinars et 1 million 200 000 dinars par personne. Il s'est trouvé que quand on allait passer, je sais pas, aux indemnisations, les représentants des familles des victimes françaises ont dit « Attendez, surtout pas, n'acceptez pas ça, parce que nous, on peut vous obtenir mieux. » Donc, il y a une espèce un peu donc, de surenchère autour de cela. Et c'est cette association française, qui a d'ailleurs un nom assez bizarre, qui s'appelle Advitam. Alors, c'est Association des victimes de Tamanrasset, qui, elle, forte de ce qui venait de se passer avec Lockerbie, le fameux attentat donc, dans lequel les biens avaient été cités. Ils ont dit, écoutez, n'acceptez surtout pas ça, parce que nous, on vient d'obtenir 1 million de dollars par victime. Alors, entre 600 000 ou 1 million de dinars, et j'allais dire, et 1 million de dollars, je vous laisse faire les comptes et je vous souhaiterais avoir quelques informations de la part des assurances. Je vous remercie. Merci de nous avoir raconté cette histoire réelle, en tous les cas, parce que vous l'avez vécue en tant que responsable douloureuse. Du ministère des Transports. Monsieur Benmissia, le poids de la réassurance et puis cette histoire d'indemnisation. Oui, merci.
Alors, en matière de réassurance, n'importe quelle compagnie d'assurance dans le monde se réassure, c'est-à-dire s'assure elle-même auprès de sociétés de réassurance pour pouvoir couvrir l'ensemble des risques qu'elle souscrit. Sinon, sans réassurance, donc, aucune compagnie d'assurance au monde ne serait capable donc, de prendre en charge donc, tous les risques donc, qui lui sont proposés. Et c'est le cas du marché algérien des assurances, notamment pour l'assurance transport, l'assurance des grands projets de réalisation d'infrastructures, l'assurance des risques industriels, l'assurance des installations industrielles, etc. Donc ces risques-là sont bien entendu réassurés. Alors, la proportion, disons, de cette réassurance, les compagnies d'assurance achètent des couvertures en réassurance localement et à l'international. Ce n'est pas uniquement la City. Hein. Donc le marché de la réassurance, il est international. C'est vrai que le marché de Londres a une capacité importante, mais il y a aussi donc d'autres marchés de par le monde. Chez nous, la réassurance ne dépasse pas les 30% du volume total, donc du chiffre du marché des assurances. Il ne dépasse pas les 30% si, par exemple, on est à 1 milliard et demi de dollars de chiffre d'affaires, vous faites le compte. Mais ces 30%, en fait, il y a une partie qui reste ici, donc auprès du réassureur national, puisque nous avons une compagnie publique de réassurance. Donc il y a une partie donc, qui reste ici, et l'autre partie donc, qui est placée à l'international, mais c'est une nécessité pour les compagnies d'assurance. Donc, et ces compagnies donc, répercutent le coût de cette réassurance dans le coût de l'assurance, ce qui est tout à fait normal, notamment pour l'assurance de la flotte maritime ou l'assurance de la flotte aérienne, y compris pour l'assurance aussi des satellites. Vous savez que donc, notre pays a quand même lancé 6 satellites, donc c'est une fierté pour nous tous avec ce progrès-là. L'autre fierté, c'est que c'est la CAT qui a assuré ces satellites lors de la phase transport et de la phase du lancement. Mais par le biais de la réassurance, toujours par le biais de la réassurance, donc à cause des capacités nécessaires. Donc j'ai dit flotte maritime et flotte aérienne. Et là, ça me permet d'aborder donc, la seconde question. Flotte aérienne, c'est-à-dire c'est l'assurance des aéronefs de la flotte nationale. Là aussi, c'est une assurance qui nécessite donc une couverture à l'international. Et en général, ce sont les marchés internationaux qui fixent leurs conditions, qui fixent les conditions de couverture, les conditions de prix et aussi la négociation quand il s'agit, quand il y a un crash, quand il y a un incident, quand il y a un accident. Donc, ce sont ces conditions de réassureur, donc de réassurance, qui sont mises, disons, en exergue par les compagnies d'assurance. Il y a de la négociation quand il s'agit de responsabilité civile. Vous savez, donc, les assurés donc, ont tendance donc, à rester en justice des compagnies d'assurance par rapport donc, à ce qu'ils pourront obtenir. Et c'est ce qui existe, ce que vous avez cité, existe à travers le monde. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet, M. Lahri. Très bien, très bien. Merci à tous d'avoir animé ce débat qui concernait donc les aspects sûreté et sécurité des transports. Merci à vous, messieurs.